Bonjour, je suis Yannine Koulou. Je suis le chef du projet UFA Forest, qui est un projet financé par l'Union européenne et dont sont bénéficiaires quatre sociétés forestières au Cameroun, Palisco, Greencam, CFAC et CEF. Ce projet vise de manière générale à enrichir les unités forestières d'aménagement des UFA du Cameroun par une approche participative et inclusive. Il est question sur une période de 4 ans de planter un peu plus de 240 000 arbres à raison d'environ 60 000 arbres par an. Actuellement, nous sommes au début de la deuxième campagne de reboisement. Il est question pour nous de présenter un état de lieu de notre stock de plants qui devra justement nous permettre de progressivement d'atteindre les objectifs. Dans l'ensemble des quatre pépinières des sociétés qui bénéficient de notre encadrement, nous dénombrons à ce jour un peu plus de 125 000 plants, toutes tailles confondues. Mais lors de cette première campagne, nous n'allons pas planter tous ces plants. Il sera question de faire un checking, un suivi de nos plants en pépinière pour ne retenir que des plants qui ont minimum la taille de 40 cm. À ce jour, s'il faut avoir une vision sur toutes nos pépinières, à ce jour, nous dénombrons un peu plus de 45 000 plants qui ont minimum la taille de 40 cm. C'est l'ensemble de ces plants qui justement sera planté. Et il est important ici de rappeler que les parcelles sont en train d'être préparées, les trouées sont en train d'être apprêtées. Les parcs, généralement les parcs sont déjà disponibles. Il va juste falloir faire la trouaison et le piquetage. De manière générale, les 45 000 plants, environ 45 000 plants de disponibles cette saison seront plantés à partir de ce mois d'avril, qui marque justement le retour effectif des pluies. Avec notre stock de plants, pour cette première saison, nous envisageons planter un peu plus de 17 hectares sur des parcelles en milieu dégradé. Un peu plus de 5 000 trouées d'abattage et une cinquantaine de parcs. Cela nous permettra petit à petit d'avancer dans l'atteinte de nos objectifs.